Après la Coupe Grey, Montréal retrouve la Coupe Vanier. Les Carabins ont été sacrés champions canadiens de football universitaire aujourd'hui. Les détails avec ma collègue de TVA Sport, Justine Martin, et deux anciens joueurs de l'Université de Montréal. Donc, les Carabins de l'Université de Montréal sont champions de la Coupe Vanier. Quel match extraordinaire face aux Thunderbirds de UBC. Je suis en compagnie de Brian Arilimana et Marc-Antoine Decoy des Alouettes, des Argos. Messieurs, quel match. Qu'est-ce que vous retenez de cette victoire-là des Carabins? Qu'est-ce qui a fait la différence? La défensive, on dit souvent, la défensive gagne les championnats. Cette défensive-là a accordé zéro touché en trois matchs éliminatoires ou quatre matchs éliminatoires. 16 corps sans accorder de touché, je veux dire, des revirements, des sacs du corps. Ils ont été un groupe redoutable tout au long de la saison, mais surtout en séries éliminatoires. Puis je suis tellement fier de ce groupe-là. C'est juste beau à voir. C'est beau pour le programme. Donc, pour moi, ce qui a fait de la différence, c'est vraiment l'effort défensif de ce groupe-là. Écoute, définitivement, c'est un match incroyable. Puis tu vois l'ambiance, tu vois le monde, comment ils sont contents. Puis c'est ça qui est la beauté du football. Puis juste qu'elle soit universitaire ou professionnelle, c'est cette ambiance-là. Puis c'était une journée qui n'a pas été tout à fait facile pour l'offensive des Carabins. C'est pas l'offensive qu'on est habitué de voir, mais c'est pas grave. C'est la meilleure équipe qui gagne, puis il faut que tu fasses moins d'erreurs que l'équipe adverse. Et la défensive t'a tenu. Je pense qu'ils ont joué trois bonnes facettes de football. Unité spéciale, ouais. Défensif et offensive. Puis ça leur permet la victoire et ça va permettre à des semaines de célébration. Oui. T'en as connu quelques-uns aussi. Et j'en connais une semaine. Je suis dans la fin. Rapidement, qu'est-ce que cette victoire-là représente pour les joueurs des Carabins, pour les anciens? Je vous ai vu avoir autant d'émotions, comme si vous étiez encore sur le terrain. C'est ça qu'on disait. Je veux dire, on sent qu'on l'a gagné. Puis c'est ça, en tant que partisan, tu en fais partie. C'est ça, le sentiment d'appartenance. Puis c'est ça, la beauté, je pense, avec les programmes universitaires, puis le fait d'en promouvoir, puis d'être à la télé, c'est que le monde se sent faire partie de ce groupe-là. Puis nous, évidemment, on a mis corps et âme dans ce programme-là, mais de pouvoir gagner, je veux dire, tu me voyais pas, il y avait une chose à pas une caméra, mais je courais. il y avait un groupe extrêmement spécial dans le vestiaire des Carabins. Ils sont champions de la Coupe Vanier 2023. Merci, Justine. Merci, messieurs.